Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous la famille? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us Part 1 Remastered, évidemment, en compagnie de Ellie, de Sam, de Henry, bref, de tout le monde, et ça, ça fait extrêmement plaisir. Et nous étions à deux doigts d'aller enfin à l'antenne relais, mais avant cela, je ne sais pas si tout a bien été, comment on peut dire ça, pris en compte. Donc, on va refaire un tour, étant donné que l'animation des chiens est en train de se refaire. Donc, j'ai peur que ça n'ait pas spécialement compté. Évidemment, si ça n'a pas compté, on va se retrouver juste après. Il n'y a pas de souci à faire et ça n'a pas compté. Allez, à tout de suite. Allez, on est de retour. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et mine de rien, ça m'a demandé au moins 8 minutes, je dirais, sur le record. Donc, on est de retour. J'ai réamélioré, évidemment, les armes. Il y a un truc qui me chagrine, c'est que je ne sais déjà plus la direction. Je suppose que ça doit être par ici, peut-être. Ah non, faut aller derrière, faut aller derrière. Ça me paraissait logique. Oh, regardez, il y a le signe des lucioles là. Je pense que c'est dans l'arrière-cour. Et on est parti. J'ai des armes ultra bien calibrées maintenant. J'ai meilleure cadence de tir. J'ai tout ce qu'il faut. On va se régaler. N'oubliez pas, vous, le j'aime et le commentaire, vous avez toujours plaisir. 4K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. Tu connais la tradizione. Et l'antenne relais est juste là-haut. Regardez, on la voit d'ici. Elle est magnifique. On dirait une tour Eiffel d'antenne relais. Et là, je pense... Oh merde. Voilà. Il va y avoir des méchants. Foiré de sniper. Est-ce que t'as vu le sniper? Plus loin dans la rue. Très bien. Restez tous ici. Non. Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez diversion. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Sois prudent. Où est-ce que vous allez? Je sais où vous êtes. Alors, elle est pas ouf leur diversion là. Aïe! Voilà, c'est comme ça qu'on fait, mon pote, ok? Aïe! Waouh, j'ai pris une vraie balle. C'est quoi ça, frère? J'ai pris une réelle Michel. Ok. Il y a des réelles embrouilles, hein. Ça passe à travers les arbres et tout, mon ref, hein, leur balle, hein. Bon, logique, hein, tu vas me dire, mais... Ok, il n'y a rien de plus ici. Il m'a vraiment cassé la gueule. Hey, vous êtes passé où? Une petite barre céréalée. Ne bougez pas. Ça, évidemment, on fait. Je peux pas l'avoir. Obligé. Non, mais c'est pas possible. Je suis obligé d'y aller là. Venez, j'ai envie de jouer. Aïe. C'est rien. Wow. T'es mort, enfoiré. Ok. On est reparti. Encore un soin. Fait chier, ça commence à faire beaucoup. Je rappelle que je recharge un petit peu plus vite tout ça. Et il s'arrête pas de tirer le chacal, hein.
On sait jamais. Oh oh oh, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire une petite explosion. Ok, on va aller là. Il y a rien. Quel dommage. On va aller là. Il y a rien. Quel dommage. On va aller là. Il y a. Ah, il y a des petits trucs quand même. Voilà, superbe. Voilà. Je me suis brisé le genou. Ah, bah ce qui devait arriver arriva. Allez, c'est pas grave. Un petit brisage de genou de temps en temps, je peux vous dire que ça fait pas de mal. Ok. Montrez-vous un peu, sale mioche. Aïe. Ok, ça a déjà été fait cette scène, donc. Superbe. Bon, ils ont pas été méchants. Putain, mais ils s'arrêtent jamais de tirer, le man. Hein. On va aller directement là où ça nous intéresse. Ok. Bon, ils ont pas été méchants, c'est bon. Hop. Vas-y, viens, mon Joël, on repasse par derrière. Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là? Superbe, j'adore. Des petits snacks. On aime les petits snacks. Qu'est-ce qu'on a là? Petit truc sympa. Du papier, j'adore le papier. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh, du papier. Oh. Des petites pillows. Ok. Attends, quoi? Un man là-haut. Superbe. On va repasser derrière. Ah, il n'y a pas d'issue. Je peux toujours vous faire. Chopez-les, les gars. Alors, où est-ce que vous allez comme ça? Ah. Oh. Et merde. Et merde. Ok. Le laisse pas filer. Ok. Ok, ok, quel salopard. Très bien, on va passer ici. Ah merde, c'est un cul-de-sac. Oh, par contre, ça, je prends. Ok, 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 ça peut être intéressant là. Ça peut être extrêmement intéressant. Du paper. Ok. Là, on a rien. Il est pas là. Là, on a rien. Il est en haut, hein, le chacal, hein. Regardez. Un petit peu de clipping sur quelques textures d'intérieur, c'est dommage. Après, ça arrive dans littéralement l'intégralité 100% des jeux. Mais là, c'est la première fois que c'est aussi flagrant, entre guillemets. Il n'y a rien du tout là. Il pourrait donner des bonus comme des pillows. Ok, il est sûrement là-haut. Non, il est pas là-haut. Vraiment, je me suis trompé de maison, genre. Si, c'est bon. Ah.
Allez! Bien joué à lui, belle stratégie. Ah, let's go. Nickel. Merde. Oh non. Ok. Bibiche. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Bordel de merde. Ok. Il y avait pas un matelas. Non, il y... Oh. Oh. Oh la vache. Ah, on avait jamais vu ça avant. On n'avait jamais vu ça. Je l'ai pas vu aller sur la gauche. Tristesse. Oh, la doublette? Non. Ok. Oh, je t'ai vu, petit coquelicot. Oh, je t'ai vu, petit coquelicot. Ok. Très bien. Très bien. Je t'ai vu aussi là-haut. Ok. Les bibiches. Dépêchez-vous. Courez. Merde. Oh la vache. Je me souvenais plus du tout de ça. Il a pris sa mère. Hein. Putain, c'est pas facile, hein. Excusez-moi, mais... Ok. Je vois rien. Peut-être fini, là, non? Les potes. Ah! C'est un beau truc, ça. Allez, Henri. Allez, Henri. Oh la vache. Je me souvenais pas du tout de cette phase, hein. Quoi? On a vu du sang? Quoi? Oh merde, je croyais qu'il était posé au calme. Je suis censé faire quoi là? Je comprends pas ce que je suis censé faire. Ok. Fallait tuer le dernier tout simplement, je le voyais juste pas. Non, il va pas sortir. Oh le bâtard. Ok. Ressort. Voilà. Nickel. Bon. Plus de peur que de mal. Comment c'était tendu? Tout va bien, Sam? Ouais, ça va. Merci, Joël. Hé, hey, regarde ça. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien.
Sam! Henry! Oh merde! Sam, tout va bien? Ouais, ouais, ça va. Vraiment? J'ai dit ça va. Allez, allez! En route! Voilà, lui c'est le plus important. Oh, merde. Ouais. Ça va? Ouais, je crois. Je veux pas blesser. Non, ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez, on y va. Tu déconnes. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour? C'était comment? C'était bien, super bien. Bien? Non mais tu l'entends? Allez mec, quoi? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai vu en rêve. Ok. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Ok. Ben... dors bien. Pourquoi t'as jamais peur? Qui t'a dit ça? T'as peur de quoi? Voyons voir... Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok? On va s'entraider. Et deuxièmement... Ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai? Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas? Je crois que non. Ouais.
Moi non plus. Oh! Avec tout ça, j'ai failli oublier. Tiens. Si c'est pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez, je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein ? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam ? Sam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, il se transforme ! C'est mon frère, putain! Et merde! Merde! Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Henri. Ellie, bouge pas. Henri. Qu'est-ce que je fais, Sam? Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord? Sam! Ok, du calme. C'est ta faute! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute! Henri! Henri, non! Oh mon Dieu! Et souvenez-vous, Ellie a dit ce qu'elle avait le plus peur, c'était comté d'être de seule. Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré? Je serais content d'arriver. T'es nerveux? Je sais pas ce que je ressens. Bon! Eh ben c'était bien triste, j'avais pas autant de souvenirs de comment on s'était séparés. Bon, je m'en suis douté, hein. La phase du sniper, évidemment. Et après, la manière dont il avait d'aller à la fenêtre, tout ça. Mais c'est tellement bien amené, c'est magnifique. La narration de ce jeu n'est plus approuvée, c'est que du bonheur. Oh là 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 là, ça s'arrête plus, mes aïeux. Un pistolet snipes. Bon. El diablo! La route s'arrête là. Suivons la rivière. Ça nous conduira jusqu'à Tommy. Viens. Ok. Suivons la rivière. Alors, la rivière était juste derrière, il me semble. Elle était juste ici, voilà. Enfin, c'est pas une rivière, ça, mais ça, c'est une rivière, par contre. Petit courant d'eau. Ok, très bien. Il s'est passé quoi entre vous? Comment ça? Tommy et toi? Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. Quel point? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche ». Eh ben... Mais il va nous aider? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec et sans son aide. Allez, on continue. Alors attendez.
Parce qu'il y a devant, il y a derrière. Je me dis, il y a peut-être une petite médaille qui traîne, tu sais. Un petit quelque chose. Tellement hâte de voir la série, d'ailleurs. On va essayer de cavaler un petit peu. Oh là là, le jeu est tellement bien fait. Vous savez, j'en parlais dans un hors-cam, parce que je rappelle que hors-cam a repris un jeudi sur deux sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à passer. Et j'en parlais dans un hors-cam, et c'est vrai que le remaster de The Last of Us, donc de ce jeu-là, pour avoir regardé mes anciennes vidéos il y a 9 ans, ça n'a rien à voir en fait, ça a été trop bien refait. De là à justifier le prix fort, bah en vrai oui, voilà, tout simplement oui. Alors certes, la fondation du jeu est la même, pas grand-chose à refaire, mais ils ont quand même réintégré le nouveau gameplay, ils ont refait l'intégralité des textures, ils ont refait l'intégralité des passages, tout ça. Très honnêtement, je trouve ça respectable. En fait, c'est pas l'offre du siècle, mais c'est pas une arnaque. Refaire The Last of Us avec les graphismes du 2 et la qualité du 2, là on en a pour 20 ans minimum, tellement c'est beau quoi, tellement c'est une claque en fait. Ça utilise l'énergie de la rivière et ça la transforme en électricité. Comment ça marche ? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Ok, on va essayer de fermer ça. On va traverser comme ça, Bibi, je t'inquiète pas. Vache. Allez, je suppose qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Ça nous amène à mi-chemin. Si on lève la deuxième, on pourra traverser. Ok. Et je suppose qu'il va falloir passer par la Central, non ? Où je traverse en nageant, je sais pas. Il y a un monde où je traverse ça en nageant ? Ah, il y a un monde où je traverse ça en nageant. Ça me donne vraiment envie de retourner sur The Last of Us 2 aussi, de le re-refaire, pour voir les petites particularités, parce que bah, j'avais oublié le 1. Ah, passe par la fenêtre, t'abuses. Bon, bah, utiliser 1 sur 1 pour ça, ça me fait chier, okay. Mais bon. Ok. Je prends 3 balles, je prends 10 pirules. Je prends... Hop. Et hop. Superbe. On est bien. On est très bien. Alors, bougez pas, j'ai de la pilules. J'avais dit quoi? Stabilité de l'arme, ça a été fait. Maîtrise du surin, utilise un surin pour échapper à l'emprise. Guérison rapide. Portée du mode écoute, ça c'est bien ça en vrai. Donc je vais le prendre quand même, tu vois. Et confection plus rapide peut-être? Non. Augmente la vitesse de soins. Allez, soyons fous, guérison rapide. Pareil, pas mal. Ok, on s'est encore pimpé un max. Donc c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, en parlant de pimp... Hop, 1 sur 1, niveau sur 1, je veux être... Je veux être chargé. Je vais trouver. Alors, un truc. Par où on va ? Reste ici. Non, j'ai rien trouvé là, Joël. Hein. Parle à ma place, hein, mon ref. Hein. Je n'ai rien trouvé. Et si je vais en dessous, il y a quoi? Ok, bah il y a que je vois rien. Oh putain, si, d'accord. Oh, attends. Il y a un monde où on fait quelque chose avec ça, là? Ok. Très bien. Je pense avoir peut-être compris quelque chose. Faut que j'aille là-dedans, c'est ça? Ok, super. Super. On va essayer de le faire passer au calme. Dis donc, les palettes au repas, heureusement qu'elles sont là, hein. Je te le dis, mon petit gars. Ok. Ok, Ellie, il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Allez, viens, Bibiche. À savoir qu'elle a appris à nager, hein, dans le 2, hein. Allez, on se casse. Je t'emmène où? Je vais t'emmener là-bas, non? Je sais pas, il y a un monde où ça passe là-haut? Je sais pas. J'ai aucune idée de savoir si là-haut ça passe. Bah, y a moyen. Vas-y, Phil. J'ose y croire. Ouais, c'est bon. Et moi, faut que je... Allez, vas-y, là-bas. Tourne. Superbe.
mieux avant. Alors, on peut aller à gauche et on peut aller à droite. On va aller à gauche et on va pas tarder à s'arrêter là. Un bout de scotch, des ciseaux, superbe ça. Oh, oh, c'est triste. Ça tombait bien trop. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur cette tombe. Qu'est-ce que je dois en faire? Ellie. Quoi? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas? Combien de fois est-ce que je dois le répéter? Les choses arrivent, mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolé. Ok. Là, on a quoi? Sur un malentendu, peut-être un petit bail? Non. Non, non, non. Juste à part admirer... Attends, c'est pas la tombe de Sam. Faut c'est qu'on juste... arrive chez Tommy. C'est juste une tombe d'un bébé, c'est tout. Enfin, d'un enfant. Ok, on se casse. On va passer juste au-dessus et on va pouvoir... Oh la vache, elle est grande. On va pouvoir s'arrêter là. Oh, je meurs de peur. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain écureuil, je lui fais sa fête. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Ok, on essaye vraiment de tout bien fouiller. Vous me connaissez? Non, c'est juste au-dessus. Mais il était bien ce coin en vrai, hein. Il avait l'air... Enfin, ce petit truc... Après, l'eau couvre les bruits, et donc tu vois peut-être pas un infecté arriver aussi. Ça peut paraître compliqué. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde, bye bye.